Moi, j'ai bien vécu cette journée, y compris hier soir. Alors, j'étais venu un peu à reculons hier soir. Puis aujourd'hui, je dis, bon, je vais venir aussi. Je n'ai pas très, très envie. Et je me dis, bah, si c'est pour refaire de l'intellectuel sur la coopération, c'est pas la peine. Hein. Alors, j'étais un peu rentré là-dedans. Voilà, donc c'est tout un plaisir que j'ai eu, au contraire, hier soir et aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit hier soir en rentrant chez moi. Wow, c'était pas ce que j'attendais, c'était bien. Et voilà, mais vraiment, oui, je pense que moi j'ai appris plein de choses sur le métier. J'ai envie que le projet soit une réussite pour justement montrer que c'est possible qu'on va y arriver, mais que c'est un ensemble et que si on sépare les choses, on n'y arrivera pas. Donc tout est lié. Je retiens vraiment quelque chose d'important de nos échanges là, qui est qu'en effet, nous sommes nombreux à pouvoir être auteurs de notre histoire. Et en tout cas, moi, ça me permet de continuer de clarifier petit à petit le rôle qui pourrait m'incomber en tant que directeur ayant un peu de temps spécifique pour accompagner cette démarche-là, avec toutes les questions qui restent encore pour l'instant un peu sans réponse, mais au moins voilà, elles se confirment, elles sont posées, donc les choses progressent, c'est un vrai progrès pour moi. J'ai appris une façon de voir la coopération qui fait plein d'échos dans ce que, enfin, dans mes responsabilités, notamment à Interbio, parce que là où on a une ambition d'avoir un fonctionnement sans direction, donc avec salariés et administrateurs. Et ça, je pense que faut vraiment que j'investisse ce truc-là, puis que je le fasse partager avec les autres. J'ai compris des choses aussi dans la logique des collectivités qui sont partie prenante, dans la logique des collectivités, puis dans la logique des personnes, de Pierre et Brigitte, qui étaient là. Aujourd'hui, que j'avais pas. En fait, ça a aussi permis de faire connaissance, parce que c'est pas si souvent qu'on s'est rencontrés jusqu'à présent. La deuxième chose qui me plaît énormément, effectivement, c'est l'échange, notamment avec un monde, j'arrête pas de le dire, dans le Sambio, que je ne connais pas et que pour lequel trop souvent j'ai des clichés ou en disant il n'y a qu'à faire comme ça, ou être confronté un peu plus à cette réalité de terrain que je ne connais pas, mais que j'avais envie d'appréhender. Ce qui m'a manqué, c'est que je voudrais revivre cet exercice-là avec d'autres personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui. Parce que j'en ai besoin pour la perception et la construction du collectif. Parce que du coup, on n'avait qu'une représentation partielle de cet espace de coopération. J'ai vécu ces moments d'échange, je trouve, dans une rencontre, me semble-t-il, qui a été très centrée sur l'écoute et la capacité à pouvoir laisser la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer et que c'est vital pour que le dialogue s'installe. Et que je pense que j'ai pu, même avec des gens qu'a priori je connaissais, on a eu des espaces de dialogue qui étaient différents de ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant et qui du coup sont fondateurs de quelque chose.